Plusieurs quartiers de la plus grande commune de Côte d'Ivoire font face à une coupure de l'eau. Depuis le jeudi 25 mai 2023. Cette coupure a été occasionnée par un incident sur la conduite principale d'alimentation de l'usine de Yopougon Niangon 2. Cette usine qui dessert à peu près 29% des clients de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci, de Yopougon. Ainsi, suite à cet incident intervenu dans cette usine, ce sont les zones de Yopougon Ananré, Maroc, Niangon Académie, Niangon Adjamé, Niangon suite jusqu'au terminus 40 qui sont impactées par les coupures d'eau. Ce vendredi 26 mai 2023, la direction régionale de la Sodeci de Yopougon, en compagnie de la direction technique de la mairie de Yopougon et de la direction régionale du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a échangé avec les riverains des différents quartiers de Yopougon dans l'une des salles de la mairie de la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, Comme-Su.